Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing Marvel figurine. Donc voilà, je vous montre le carton, il est ouvert. Je suis désolé hein, mais j'étais pas là ce matin, le facteur il a livré ça et comme ça. Et du coup bah ça passait pas dans la boîtelette, il a mis les figurines comme ça dans la boîtelette. Et carton il l'a mis au-dessus, du coup je l'ai récupéré pour qu'on puisse faire comme un unboxing quand même. Par contre les figurines, voilà quoi. Elles sont toujours emballées, hein. Je les ai laissées emballées quand même. Histoire de... Espèce de coquin. Pendant que je parlais et que je regardais la figurine que j'étais en train de monter, t'en as profité pour regarder c'était quoi. Alors vas-y, je t'écoute, c'est qui? Tu sais pas. Tu sais pas. Je vais te dire c'est qui tout de suite. Mais d'abord, l'ouvre. Toujours avec classe. Ce petit bout de plastique. Alors lui, je vais lire parce que j'ai pas envie d'écorcher son prénom. C'est Howard Starks. Pour ceux qui ne le savent pas qui c'est, je vais vous te mettre un extrait. Voilà. Maintenant vous savez c'est qui, vous savez tout sur lui à peu près. Vous savez ce qu'il a fait, vous savez qui il est. Donc, j'ai pas besoin d'en dire plus. Non. Non, c'est bon, ça va aller. D'accord. Si t'as besoin de plus, tu me le dis, je te le mets. Hein. Non, t'as pas besoin de plus, t'es sûr? T'es sûr? Moi, j'ai pas besoin de plus, mais je sais ce qu'il a fait. Il a fait. On le voit juste dans une série. La série, c'est. Peggy, je crois. Peggy, un truc comme ça. C'est l'agent du Shield. C'est la créatrice des anges du Shield. Et je l'ai eu en figurine, mais j'ai pas pu faire en unboxing parce que c'était bien avant que je commence à faire YouTube. Donc voilà. Mais si ça vous plaît, comme je vous ai dit la dernière fois, mettez-les dans les commentaires et je vous lirai tous ces prospectus. Enfin, prospectus, tous ces petits magazines. Et je vous montrerai la figurine. Et je vous dirai un peu plus sur sa petite vie, quoi. Donc je sais pas si vous voyez bien. J'essaye de cadrer, je suis tout seul, hein. J'ai pas de cadreur, hein. Je suis désolé. Donc j'essaie de faire du mieux que je peux. Voilà, vous voulez voir la première page. Voilà comment il est beau gosse, regarde-moi ce costard. Même moi j'ai pas le même. Voilà. Après qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Voilà. L'arrière, l'avant, ça reste du papier glacé quoi. On fait la suite. Ah ouais, tu veux la suite, t'es sûr? Moi je suis sûr. Ce petit bout de plastique, ça crépite dans les oreilles. Donc lui, c'est Cohort Nova. Alors personnellement, je vois pas qui c'est, je sais ils ont tourné dans les Gardiens de la Galaxie, mais je vois pas qui c'est. Donc je vais faire comme vous, je vais regarder cet extrait de vidéo pour voir un peu plus qui c'est. Et on se retrouve après. Donc voilà, maintenant on en a assez tous les deux un peu plus, enfin tous les deux, tous les 61 un peu plus, parce qu'on a 60 abonnés, hein. Ah oui, on a fêté ça hier, pendant mon live. Donc merci à toi mon 60e abonné, merci à vous les 59 autres abonnés. Non, je rigole, le king. Humour. Humour. Hein. Je vous l'ai dit hier dans mon live. Humour. 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 Tout humour. Il est pas mal, hein. Mais franchement, des deux, je préfère lui. Il a la classe. Et ouais. Bon, très de bavardage, hein. Comme d'habitude, je vais pas vous montrer, mais il y a le certificat au fond. Blablabla. Le plastique c'est bien pratique, mais juste pour un court instant. La page du milieu. Voilà, moi j'ai une pomme pourrie. Non, c'est pas vrai, c'est dans le Gardien de la Galaxie. Voilà. J'espère que c'est bien cadré parce que franchement, c'est un peu la galère pour cadrer, je suis tout seul. Voilà. J'adore ces films. Ooh.
Donc, pour ceux qui ne le savent pas, on est en Néo numéro 39 au niveau des figurines. Donc, ça me fait 39 figurines. Ça me fait une bonne vitrine. Et. Mais il n'y en a pas 39 sur ma vidéo. Je sais pas si vous avez vu. J'ai que. Avec celle-là, ça fera que 5 vidéos. Donc, je vous montre que 10 figurines. Donc, il y en a 29 que je vous ai pas montrées. Donc, est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous les montre tous un par un et je vous en montre 5 par vidéo, ou je vous en montre 2 par vidéo et je vous mets un extrait du film histoire de vous rappeler de qui c'est et de voir un peu ce qu'il sait faire? Ou est-ce que vous voulez tout simplement que je fasse des vidéos spéciales avec ça et la figurine? Je vous montre la figurine, je vous montre, enfin, je vous lis un peu ce qu'il y a dedans. Je vous ferai un récapitulatif, je vais pas tout vous lire, hein. Je vous ferai un récap et je vous mets un extrait de vidéo histoire que vous puissiez voir un peu plus de qui on parle. Si vous le voulez, mettez dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, mets des pouces. Si cette vidéo t'a replu, partage un maximum. Et si cette vidéo t'a plu et que t'es pas abonné, abonne-toi, ça me ferait plaisir. Sur ce, je vous dis ciao. To make your daughter cry.